de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Beijing était au menu des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu en début de semaine avec l'ambassadeur de Chine à RDC, Zhou Jing. Le diplomate chinois a indiqué que cette entrevue s'inscrivait dans le cadre de la commémoration prochaine des 50 ans de normalisation de relations diplomatiques entre la Chine et la RDC. La coopération bilatérale entre les deux pays est marquée par un record dans les domaines des échanges commerciaux, des infrastructures, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et de l'industrie, a dit en substance l'ambassadeur de Chine au sortir de cette entrevue. Un autre diplomate reçu à la Cité de l'Union africaine, c'est l'ambassadeur de France, Bruno Aubert. Il a indiqué avoir fait avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un tour d'horizon des questions nationales, internationales et des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Paris. Les diplomates français ont rassuré sur la volonté de Paris d'œuvrer aux côtés de la RDC dans divers projets de l'éducation, de la santé, de l'énergie et dans la situation dans l'est du territoire national. Des félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Elles lui ont été vivement adressées, notamment par le président de l'Assemblée nationale, Simon Bosson Kodiampanga, qui a rendu hommage au chef de l'État pour son mandat de président en exercice de l'Organisation panafricaine, où ses pairs l'ont proclamé héros africain pour la lutte contre la violence faite à la femme. Le président de la Chambre basse du Parlement a remis par ailleurs au chef de l'État le diplôme d'honneur, ordre perpétuel des personnalités légendaires décerné au patriarche Étienne Tshisekedi wa Mulumba par les membres de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Bruxelles Airlines, la grande compagnie belge d'aviation, va entretenir avec la République démocratique du Congo un partenariat dans le domaine aérien, de l'aviation civile, du training, des infrastructures, des fréquences, des trafics touristiques notamment. Après des échanges avec le gouvernement par les billets du ministre des Transports, la délégation de Bruxelles Airlines, conduite par l'ambassadeur de Belgique, Juan Ndekeu, a présenté ses vastes projets de partenariat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine.